Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci également de votre invitation. Donc, comme nous sommes dans une enceinte militaire, donc on ne va pas trop parler de politique ce soir. Et donc, ça tombe bien puisque mon dernier livre, La France sous nos yeux, ne traite pas directement de questions politiques et électorales, mais plus globalement. Il visait à répondre à deux objectifs majeurs quand on s'est lancé dans ce chantier avec mon co-auteur Jean-Laurent Casselli. On avait à cœur, d'une part, de retracer et de raconter l'histoire des mutations de la société française des années 80 à nos jours, ce qu'on appelait, nous, la grande métamorphose. C'est ce sur quoi nous allons revenir. Et puis, un deuxième objectif qui était d'essayer de dresser le panorama le plus complet possible, le plus exhaustif, du produit fini, ou selon les opinions, semi-fini, qui est sorti de cette métamorphose, de cette chrysalide et ce cocon, ce que nous avons appelé la France d'après. Cette France d'après, c'est celle dans laquelle nous vivons tous collectivement, c'est celle que nous avons sous nos yeux, d'où le titre du livre. Dans le délai imparti, donc je ne vais pas pouvoir traiter de tout, je vais essayer de me concentrer sur un certain nombre de transformations majeures ou de mutations profondes que, encore une fois, nous avons traversées, nous avons connues. Pour les plus anciens, comme nous qui sommes nés dans les années 70, on a vu ce pays se transformer sous nos yeux. Et je vais essayer de me concentrer le propos sur trois changements majeurs. Le premier va avoir trait à la question du changement de modèle économique très profond que le pays a connu depuis les années 80 à nos jours. Pour faire court, on est passé d'une économie qui était organisée autour de la production, l'industrie, l'agriculture, la pêche, à une économie qui tourne, dans tous les sens du terme, essentiellement autour de la consommation, du tourisme et des loisirs. Alors bien évidemment, dans des vallées comme ici, on a beaucoup de tourisme, mais on a encore la chance d'avoir une industrie importante, un tissu industriel fort, ce qui n'est pas du tout le cas partout ailleurs en France. Ce processus que je vais essayer de vous décrire, bon, il s'est déroulé sur une quarantaine d'années. Mais si on devait retenir un moment clé, un moment un peu symptomatique de tout cela, on pourrait reprendre la période du printemps 1992. Qu'est-ce qui se passe au printemps 1992? Eh bien, en Ile-de-France, le 31 mars 1992, c'est la fermeture définitive de l'usine Renault-Billancourt, qui était aux portes de Paris, qui employait encore 4000 ouvriers. Et donc, quand on se souvient de ces cours d'histoire, Billancourt, c'était quand même la citadelle ouvrière. Les luttes sociales se sont déroulées là-bas. C'est là où Jean-Paul Sartre vient haranguer les grévistes en 68 du haut de son bidon. Et donc le 31 mars, cette forteresse ouvrière ferme ses portes définitivement. Et aujourd'hui, quand vous parlez à des trentenaires en Ile-de-France, ils ont toutes les peines du monde à imaginer qu'il y avait une implantation industrielle de première grandeur qui était aux portes même de Paris. 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, nous inaugurions en grande pompe Disneyland Paris. À l'époque, ça s'appelait Euro Disney, à quelques dizaines de kilomètres de là. Et donc, on voit comment on est passé, hein, symboliquement, de cette économie de la production à cette économie de la consommation, du tourisme et des loisirs. Je ne prends pas l'exemple de Disney au hasard, puisque Disney, en France, c'est une locomotive économique de première importance. Vous savez que c'est la première destination touristique européenne, donc la première destination touristique française. Et hors période Covid, c'est 15 à 16 000 salariés qui travaillent chez Disney. Donc ça fait Disney Paris le plus grand employeur monosite, comme on dit en économie, de France. Un devant Airbus à Toulouse qui est éclaté sur différents sites de production. Ce n'est pas uniquement une influence économique et commerciale. Disney, c'est aussi eh bien un élément, comme on peut le dire chez vous, de soft power américain, hein, très fort. Quand on s'intéresse à la jeunesse française, celle des 18-35 ans, donc pourquoi ces bornes d'âge? Eh bien, c'est des jeunes qui sont nés au moment où, après l'ouverture de Disney, donc qui ont toujours connu Disney, parmi ces jeunes, qu'ils habitent ici à Chamonix, à Brest, à Calais ou à Strasbourg, 75% d'entre eux sont allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Donc si on voulait être un peu provocateur, on pourrait dire qu'ils ont tous fait le pèlerinage. Et donc vous savez que dans cette campagne électorale, on nous parle beaucoup d'identité nationale. Mais qu'est-ce que c'est une identité? C'est aussi des valeurs, des lieux qu'on a en partage, des expériences qu'on a en commun. Et donc cette jeunesse qui a grandi dans la France d'après, eh bien dans son panthéon, là, elle a le voyage initiatique, si je puis dire, à Disney. Alors je referme la parenthèse Disneyland
pour revenir à mon sujet de la désindustrialisation. Quand on parle de désindustrialisation, comme dans bien d'autres sujets, on s'est rendu compte que nous étions collectivement victimes de la persistance d'un certain nombre d'images rétiniennes, vous savez, qui vous collent à la peau ou à la mémoire. Et donc, quand typiquement on parle de désindustrialisation, eh bien, on a en tête la fin des charbonnages et du textile dans le Nord-Pas-de-Calais, la fermeture de la sidérurgie en Lorraine, ou des chantiers navals sur un certain nombre de nos ports et de nos littoraux. Tout ça est bien vrai, sauf que le processus ne s'est jamais arrêté depuis. Et si on reste dans cet univers de l'industrie et de la métallurgie, on pourrait dire que la désindustrialisation, c'est un processus de coulée en continu, hein, qui ne s'est jamais interrompu depuis cette période, ne serait-ce que depuis 2008. Alors pourquoi 2008 comme borne temporelle? C'est la dernière crise économique importante que la France ait connue. Ne serait-ce que depuis 2008, la France a vu fermer 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Donc pour ceux que ça intéresse, vous verrez dans le livre, on a dressé la carte. Et donc sans jeu de mots, c'est un peu un gigantesque champ de bataille constellé d'impact. Vous voyez, aucune filière, aucune région n'a été épargnée. Et donc ce processus s'est poursuivi au long cours, avec des conséquences en cascade. Au niveau macroéconomique, l'industrie en France pesait un quart du produit intérieur brut en 1980. C'est péniblement 10-12% aujourd'hui. Donc ça a été divisé par deux. Ça a des conséquences aussi, bien évidemment, tout à fait profondes sur la géographie du territoire, sa géographie économique et humaine, puisque dans certaines régions où il y a de la neige, où il y a du soleil, où on est au bord de la mer ou à proximité d'une grande métropole, la fin de l'usine n'est pas forcément si dramatique que cela, puisque des activités de substitution peuvent être développées. Dans beaucoup d'autres territoires, aujourd'hui, quand l'usine a fermé, eh bien, l'hôpital public ou la grande surface du coin deviennent les premiers employeurs du territoire en question. C'est le cas dans très nombreuses villes de sous-préfecture, par exemple, notamment dans cette France périphérique. Et donc vous comprenez aussi pourquoi, à cette aune, souvent quand il est question de fermer un service ou l'hôpital entier dans une petite ville, il y a une mobilisation aussi forte de la population. C'est bien évidemment parce qu'on préfère avoir l'hôpital sous la main que devoir à faire 50 ou 40 km pour aller se faire soigner. C'est aussi un élément de fierté. Une ville qui a son hôpital, c'est comme un village qui a sa poste, ça en impose quand même au village et aux villes d'à côté. Mais c'est aussi le principal pourvoyeur d'emploi. Et de la même manière qu'à l'ombre des usines, c'était constitué des dynasties ouvrières, où on allait bosser à l'usine de père en fils, eh bien aujourd'hui, dans ces villes moyennes, à l'abri des grandes zones de développement économique, vous avez des dynasties hospitalières qui se créent avec des gens qui sont brancardiers, standardistes, femmes de ménage, etc., etc., souvent des emplois peu qualifiés. Et donc si l'hôpital ferme, c'est aussi toute cette source d'emploi qui disparaît. La fermeture, la disparition des usines, c'est aussi l'effondrement d'un monde, parce qu'il y avait toute une sociabilité qui s'occupait, qui s'organisait autour. Par exemple, les clubs de sport, les fanfares, les amicales, etc. La cité ouvrière qui était souvent attenante à l'usine. Et donc, quand tout ça disparaît, il y a un vide béant qui est laissé, qui est comblé par ce qu'on peut dans certains endroits. Ce pilier industriel s'est effondré, mais il n'a pas été le seul à se déliter très fortement, puisque notre économie productive reposait aussi sur l'activité agricole. Et donc là aussi, nous sommes victimes d'images rétiniennes, puisque quand on parle d'exode rural ou d'une difficulté du monde agricole, on se dit, mais tout ça, ça a commencé il y a très longtemps. Vous voyez ici, dans les montagnes au Savoyard, l'exode rural, etc., c'est des choses dont on parle depuis très longtemps. Donc tout ça est vrai également. Sauf que quand on se plonge dans les chiffres, on s'aperçoit que le phénomène, là aussi, n'a pas cessé de se prolonger au cours des dernières décennies. En 1988, donc c'est il y a 30 ans, 34 ans, il reste 1 million de paysans en France, 1 million d'agriculteurs. Les derniers chiffres du recensement agricole sont tombés juste avant les fêtes. On dénombre aujourd'hui 380 000 agriculteurs. Donc on a perdu 2/3 de l'effectif en 30 ans. On n'a aucune autre catégorie socio-professionnelle, peut-être à part l'armée de terre, je fais une petite blague, qui ait connu une telle déflation de ses effectifs durant la même période. Donc c'est le plus grand plan social que la France ait connu dans les 30 dernières années, sauf qu'il a été totalement silencieux, puisque par construction,
les emplois qui disparaissaient, souvent c'est des gens qui partaient à la retraite, ou quand ils arrêtaient d'exploiter, ce n'était pas des concentrations de salariés importantes sur le même site. Et donc tout ça est passé un peu inaperçu. Il y a quelques façades de préfecture qui portent encore les stigmates d'un certain nombre de ces manifestations, puisque quand un monde s'effondre, en général, il ne s'en va pas sans faire un peu de bruit. Et puis, il y a une manifestation beaucoup plus dramatique et silencieuse de tout ça, c'est le nombre très important de suicides dans la profession agricole, puisqu'on est à 500 suicides par an. Et donc, vous rapportez les 500 à 380 000 exploitants, et donc vous avez un ratio qui est quand même très important. Et donc, aujourd'hui, vous verrez dans le livre, si ça vous intéresse, vous êtes... pour un certain nombre d'entre vous militaires, donc je pense que vous aimez les cartes comme moi. Et donc on a mis en regard deux cartes, 1988 aujourd'hui, où on a fait figurer la part des agriculteurs dans la population communale. Et donc vous voyez qu'en 1988, on a encore dans toute une partie de la France rurale des agriculteurs qui, à défaut d'être majoritaires dans leur commune, pèsent de manière très significative, 25-30% de la population avec leur famille. La deuxième carte illustre ou représente leur poids actuel. Et donc vous voyez que, eh bien, comme un peu la neige dans quelques mois chez vous, tout ça s'est complètement rétracté sur les zones les plus à l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques endroits très éloignés de la préfecture, à cheval sur deux départements, où les agriculteurs pèsent encore un peu significativement. Mais dans la quasi-totalité de l'espace rural, ils ont été rayés de la carte. Où ils subsistent un peu comme dans des enclaves, des réserves d'Indiens. Ça se voit sur la carte, ça se voit aussi, j'allais dire, en creux, dans nos sondages. Quand l'IFOP ou d'autres instituts travaillent, nous travaillons sur des échantillons représentatifs de la population. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on recrée des maquettes miniatures de la population française à échelle d'un millier de personnes. Quand moi j'ai commencé à travailler, donc il y a un peu de temps maintenant, il y a 25 ans, sur un échantillon de 1000 personnes, nous avions 45 sondés qui, par l'application des quotas de l'INSEE, se rattachaient à une famille agricole. Le chef d'exploitation, le chef de famille, était agriculteur. Et donc, on considérait qu'on était dans la limite statistique acceptable, et donc on pouvait ventiler, donc faire figurer dans nos rapports, une ligne agriculteur. Dire, voilà, l'ensemble des Français pensent ça, et que pensent les ouvriers, les cadres, et il y avait les agriculteurs dans le panel. Aujourd'hui, ils n'ont pas disparu de nos échantillons, ils sont toujours là, sauf qu'ils pèsent 11 à 12 individus. Et donc statistiquement, je ne peux plus les sortir. Et donc ils ont été, comme sur la carte, effacés des rapports de l'IFOP, comme ceux des différents instituts. Donc ils n'existent plus en tant que catégorie, en tant que telle. Donc deuxième pilier, donc ce pilier agricole qui a été très fortement érodé. Et les choses vont sans doute, hélas, se poursuivre. Un autre secteur, alors là, qui était moins réparti sur l'ensemble du territoire et encore moins chez vous, c'est le secteur de la pêche, hein, qu'on oublie parfois, mais qui pesait aussi significativement dans des territoires entiers. En 1983, la France aligne encore à peu près 11 000 bateaux de pêche. On en a aujourd'hui 4 500. Hein, donc là aussi, vous voyez l'ampleur de la perte des effectifs. Pour ceux d'entre vous qui ont quelques attaches familiales ou autres, ou qui ont des souvenirs, regardez des cartes postales ou des images d'un certain nombre de ports des années 80 et 90, et regardez aujourd'hui, et vous verrez la part dédiée aux bateaux de pêche qui s'est considérablement contractée au profit de toute une économie plaisancière avec des pontons, etc. etc. Et donc tout ça transforme aussi en profondeur tout l'écosystème littoral, hein, puisque les métiers ont changé. Ceux qui font, j'allais dire, tourner la commune ou le port, ce ne sont plus les marins-pêcheurs, les armateurs, mais le patron de l'hôtel, celui qui entretient les bateaux pour les plaisanciers, etc., etc. Et de manière un peu provocatrice, nous avons intitulé cette partie quand Armorlux, la Belle-Illoise et Beneteau colonisent les ports de pêche. Et donc là aussi, le phénomène du passé d'une économie de la production à une économie du tourisme, de la plaisance et de la consommation, avec des conséquences, encore une fois, sociologiques en cascade. On peut prendre un exemple qui est celui du port de Fécamp, en Normandie, on ne dit plus Haute-Normandie maintenant. Fécamp, rendu célèbre, vous vous souvenez peut-être par un déplacement du général de Gaulle qui en 65 avait prononcé un discours en disant « Fécamp, port de pêche et qui entend le rester », etc. Bon voilà, l'oracle gaulien a été
perdu dans les limbes, hein, puisque le dernier bateau qui, vous savez peut-être, à Fécamp, comme dans beaucoup d'endroits de Normandie, on partait pêcher la morue à Terre-Neuve, l'épopée des Terre-Neuvas, racontée notamment par Pierre Loti, etc. Le dernier bateau qui part au grand large à Fécamp, c'est 1989. Vous voyez ces années, 92, la fermeture de Billancourt, 89, le dernier bateau qui part de Fécamp. Et aujourd'hui, si vous allez à Fécamp, vous verrez qu'il reste encore quelques bateaux de pêche, mais ils sont plus très nombreux, et qu'il y a un énorme édifice industriel, enfin de facture industrielle, qui trône au milieu du port, qui est une ancienne conserverie ou un ancien saloir pour la morue, et qui a été transformé en musée des Terre-Neuvas. Donc les Terre-Neuvas ont disparu, mais reste leur mémoire. Et donc aujourd'hui, tout est dédié au tourisme et à l'activité plaisancière dans cette ville. Alors, pour que l'économie française continue de fonctionner, vu que toute une série de moteurs étaient passés progressivement à l'arrêt, eh bien, il a fallu que d'autres activités économiques prennent le relais. Et on va en citer quelques-unes qui jouent aujourd'hui un rôle central, à la fois dans notre économie, mais aussi dans nos vies et aussi dans nos paysages. Quand vous vous promenez, j'ai encore fait l'expérience tout à l'heure, on voit ça très clairement. C'est tout d'abord le secteur de la grande distribution. Et donc on est bien sur une économie de la consommation. Alors, on pourrait me dire à juste titre, mais il est gentil, la grande distribution, les grandes surfaces, le premier hypermarché qui s'ouvre en France, c'est 1963, donc ça ne date pas des années 80. Sauf que le phénomène s'est considérablement accéléré depuis cette période. Alors, on a pris un exemple, on n'a pas pris le leader du marché, on a pris Intermarché. Intermarché, en 1980, aligne 310 magasins en France. Il y a 310 supermarchés Intermarchés en France. Ils en ont aujourd'hui 1850. Donc ils en ont fait sortir de terre plus de 1500 en 40 ans. Et donc on a eu la chance de pouvoir consulter un livre qu'ils ont édité sur l'histoire de leur entreprise, de leur groupement. Donc c'est un peu sur version saga du régiment, la grande épopée. Il y a plusieurs pages qui sont consacrées à la décennie 80-90 et qui s'est appelée, dans leur livre même, la phase de vietnamisation. Alors, on était assez circonspect, on s'est dit, il y a des capitalistes français qui rendent hommage au Viet Minh et à Ho Chi Minh, donc c'est un peu bizarre. Et donc, on s'est penché sur ces pages. Et donc, pourquoi la vietnamisation? Parce que, un, ils se montraient comme des gens opiniâtres qui n'avaient pas du tout lâché le terrain, et puis deux, comme on vous l'a souvent sûrement appris dans vos formations, voilà, le Viet Minh avait vocation à contrôler et quadriller le territoire rural en dehors des grandes villes. Et donc eux, ça leur allait bien en disant on a laissé les grandes villes à Carrefour, etc. Mais nous, on a maillé tout l'espace français. Pendant cette phase intense de vietnamisation, comme ils l'appellent, ils ont sorti de terre la bagatelle de 2 magasins par semaine, en moyenne, pendant 10 ans. Donc, il n'y avait pas de chef de corps là-bas, il y avait un grand patron. Je pense que son assistante lui amenait tous les mois une nouvelle boîte de punaises de couleur pour mettre des petits fanions sur la carte de France. Et là aussi, le maillage est aujourd'hui parfait, puisqu'il revendique en moyenne un magasin tous les 14 km. Donc ils ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise, c'est-à-dire que tout le territoire est maillé. Tout ça a bien évidemment des répercussions quasiment physiques, hein, vous le voyez, sur nos territoires, puisque les Intermarchés ne sont pas les leaders de l'hypermarché, ils sont plutôt sur des moyens formats. Mais donc, toute cette implantation de surface commerciale s'est faite pour l'essentiel en périphérie de nos villes, sortie ou entrée de ville, avec le déploiement et la construction d'un élément de nos paysages contemporains, qui est la zone commerciale, qu'on retrouve absolument partout. Donc le navire amiral, c'est cette grande surface. Et puis tout autour sont venus pousser comme des champignons là, toutes les boutiques ou les magasins franchisés que vous retrouvez partout en France, et tous les mêmes. Et aujourd'hui, ces zones commerciales ont pris encore une autre dimension. Il y a aussi une dimension récréative et culturelle, puisqu'il y a un deuxième moteur auxiliaire assez puissant qui est venu se coller souvent à côté de la grande surface, c'est le multiplex, le cinéma. Il y en a quelques-uns en centre-ville, mais sinon, il y en a beaucoup en périphérie. Alors 10, 12, 15, 20 salles, qui a donné donc une dimension culturelle et ludique à ces espaces. Et donc, on va faire ses courses au cinéma, puis après, on va
manger au Buffalo Grill, faire un bowling ou un laser game. Et donc aujourd'hui, le cœur battant de notre société, eh bien, il se trouve dans ces zones commerciales de périphérie. C'est d'ailleurs pas un hasard si le principal mouvement social de ces dernières 15 ou 20 dernières années, le mouvement des Gilets jaunes, a eu comme théâtre justement ces zones commerciales de périphérie. On a bloqué les ronds-points qui commandaient l'accès à ces zones. On se donnait rendez-vous sur les parkings des grandes surfaces ou sur les bretelles d'accès qui permettaient de s'y rendre. Donc on est là aujourd'hui sur ce cœur battant. Et de la même manière, eh bien, vous voyez comment l'économie et le commerce ont quitté au cours des 15 ou 20 dernières années le cœur des centres-villes. Tout a été aspiré vers ces zones commerciales de périphérie. Et donc derrière tout ça, il y a un acteur économique très puissant qui est celui de la grande distribution. Il n'est pas le seul à avoir pris le relais de notre économie productive en Berne. On a un autre secteur qui est extrêmement puissant, qui marche en partie conjointement avec la grande distribution, c'est le secteur de la logistique. Ce que nous avons appelé dans le livre la France Amazon. Alors on ne résumera pas tout le secteur de la logistique qui est gigantesque aujourd'hui à la seule entreprise Amazon. Mais c'était pour un petit peu marquer les esprits et planter le décor. Cette France de la logistique, vous la voyez pareil quand vous vous déplacez en France, c'est ces énormes boîtes à chaussures métalliques là, qui parsèment le territoire. Alors ils ne sont pas posés n'importe où, ils sont souvent en périphérie des villes, un peu plus loin que la zone commerciale, mais à proximité immédiate d'une bretelle d'accès à une 4 voies, une autoroute, puisqu'il faut aujourd'hui, selon les normes édictées dans la société de consommation, satisfaire le client à J+1, comme on dit. Et donc on est sur le juste à temps. Et autant la France industrielle a vu sa géographie organisée autour du chemin de fer, toutes ces matières premières ou ces produits finis circulaient beaucoup sur le rail. Aujourd'hui, dans cette économie de la logistique et de la consommation, c'est le bitume qui est remplacé. Et donc les axes principaux sont ces axes autoroutiers. Et donc vous voyez progressivement des vieilles villes cheminotes, hein, qui étaient des grandes gares de triage, etc. Il y avait une culture ouvrière importante, un vote communiste puissant. Tout ça est en train de péricliter au profit de communes qui sont situées à 10, 15, 20 km d'une grande métropole et qui se sont spécialisées dans l'économie logistique. Vous avez tout ça, par exemple, dans un rayon de 40, 50 km autour de la région parisienne. Vous l'avez aussi, regardez ce qui se passe à Satolas, à côté de Lyon, Saint-Quentin-Falavier, etc., etc. Et puis vous avez, donc ici nous sommes dans une vallée, mais toute la dorsale Paris-Lyon-Marseille, hein, on a cette présence très marquée de cette économie logistique. Tout ça a aussi des conséquences sociologiques et politiques, dans ce sens où les catégories populaires n'ont pas disparu. Elles ont seulement, j'allais dire, mais c'est déjà beaucoup, changé de visage. C'est plus les mêmes métiers. Le métallo qui travaillait à l'usine, il a été remplacé par le cariste. Vous avez celui qui pilote le Fenwick ou le chariot élévateur dans l'entrepôt. Le chauffeur routier a remplacé le cheminot. Et donc, ce n'est pas les mêmes votes, ce n'est pas les mêmes syndicats. Aujourd'hui, vous avez 400 000 chauffeurs poids lourds en France. C'est-à-dire qu'il y a plus de chauffeurs poids lourds que d'agriculteurs. Hein, donc, c'est ça aussi l'économie, la sociologie de la France d'après. Donc là, on est sur des métiers qui sont à forte dominante masculine. Les femmes qui travaillent dans ces métiers, enfin qui appartiennent à ces milieux, elles travaillent plus dans le service à la personne. Aide à domicile, aide-soignante, salariés des EHPAD, dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Et ce sont, comme par hasard, beaucoup des visages et des profils que nous avions retrouvés sur les ronds-points lors du mouvement des Gilets jaunes de 2018. Donc on voit comment tout ça se réagence. Et donc la logistique, elle aussi, a, avec la grande distribution, contribué à organiser la France en une gigantesque zone de chalandise, puisque historiquement, dans une économie de la production, le cœur battant de l'économie se situait là où il y avait des matières premières. Donc on parlait de la Lorraine tout à l'heure, du Nord-Pas-de-Calais, où se situaient des voies d'eau qui permettaient d'acheminer ces matières premières. Dans une économie de la consommation, la matière première, c'est quoi? C'est le consommateur. Et donc on va se mettre à proximité immédiate des principaux bassins, non pas de production, mais de consommation, donc les métropoles qui sont, et les villes moyennes qui, chacune à leur tour, sont quadrillées et reliées par ces réseaux commerciaux et logistiques.
Autre et troisième moteur économique de substitution, tout ce qui tourne autour de l'économie du loisir et récréative. Alors vous avez en tête, on est ici dans une vallée qui est très touristique, donc le poids du tourisme dans nos vies et dans nos économies. Et nous, on a mis la focale sur d'autres, là-dessus aussi, mais sur d'autres activités qui intègrent cet univers-là. Et on s'est intéressé notamment à tout ce qui était les parcs de loisirs, qui sont des véritables locomotives économiques dans des territoires entiers. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Disney, mais on pourrait évoquer un autre exemple. On va parler d'un département qui a été rendu célèbre dans les années 70 par une chanson de M. Delpech, hein, le Loir-et-Cher. Pendant longtemps, le Loir-et-Cher a eu comme principale vitrine et locomotive touristique le château de Chambord. Ben, aujourd'hui, ils ont un autre moteur touristique qui a surclassé Chambord, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Le Zooparc de Beauval fait 1 500 000 entrées par an, Chambord fait 1 million, donc la tradition se défend quand même, mais Beauval a surclassé Chambord. Et quand on regarde sur Wikipédia le nombre de visiteurs annuels et qu'on fait les courbes, eh bien on peut dater très précisément quand est-ce que le croisement des courbes a eu lieu, c'est il y a quelques années, quand dans sa grande mansuétude, le gouvernement chinois a prêté à la France un couple de pandas géants qui ont été hébergés à Beauval. Et en plus, ils ont eu la bonne idée d'avoir des bébés. Donc, Brigitte Macron est la marraine. Et donc, aujourd'hui, les pandas ont une capacité d'attraction touristique plus importante que Chambord. Donc, si vous êtes patron de l'Office du tourisme du Loir-et-Cher ou président du conseil départemental, il faut absolument veiller à la santé des pandas de Beauval, parce que de là dépend en grande partie l'économie de toute une partie de votre département. Blague à part, Beauval, c'est 850 salariés, ce qui fait de ce zooparc le principal employeur privé du sud du département, depuis qu'il y a une quinzaine d'années, l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes. Cette économie du loisir a été pensée par une partie de nos dirigeants nationaux ou locaux comme une espèce de planche de salut, dans certains cas, face au déclin de l'industrie et de la production. Et c'est tout à fait marquant, dans certains cas, de constater que ces sites, ces parcs récréatifs ou autres, ces parcs de loisirs, ont été créés à l'endroit même où s'exerçait, il y a encore 40 ou 50 ans, une activité industrielle. C'est qu'il y a l'économiste Schumpeter qui parlait de destruction créatrice, donc il y a des activités qui périclitent et d'autres qui sont créées. Et bien c'est ça à quoi il a été procédé en France. Donc on peut prendre quelques exemples. On peut aller en Lorraine, à Agondange, en Moselle, où était situé le plus grand laminoir d'Europe. Bon, Agondange a vu son laminoir fermé au début des années 80. Et face à la panade dans laquelle se trouvait ce morceau de territoire, les gens de la Datar à Paris, qui à l'époque pilotaient l'aménagement du territoire, et puis les gens d'Usinor et les élus locaux se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, il y a une idée de génie qui sort, là, on dit, on va créer un parc d'attractions, et ça va être le parc Big Bang Schtroumpf. Hein, ça ne s'invente pas, donc il a été créé, le projet a été lancé en 1985, sur les ruines même du laminoir. Usinor a dit, bon, vous dépolluerez, on vous laisse le site à pas cher. Bon. Donc depuis, les Big Bang, les Schtroumpfs sont un peu passés de mode, maintenant ça s'appelle le Walligator, hein, donc il y a le parc Walligator en Moselle. Beaucoup plus au sud, on va aller au soleil, à Carmo, la patrie de Jaurès et des mineurs de charbon. Il y avait une mine qui restait en activité jusqu'au début des années 90. Elle avait une spécificité, cette mine, c'est qu'elle était à ciel ouvert. Et donc, comme souvent, quand ça ferme, il vous reste un énorme cratère avec de l'eau au fond. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? Donc, cette mine s'appelle la Découverte. Et donc, les collectivités locales l'ont transformée, aménagée, non pas en parcours du combattant pour les apprentis chasseurs alpins, mais en parc de loisirs avec une énorme tyrolienne qui va d'un bout à l'autre. Et donc ça a remplacé les mines qui, encore une fois, fonctionnaient jusqu'au début des années 90. On peut prendre aussi un autre exemple, là pour le coup que tout le monde connaît, en Ile-de-France, le Stade de France. Le Stade de France est situé en Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris.
dans un endroit qui s'appelait la Plaine Saint-Denis et qui a été jadis la deuxième plus importante concentration d'industrie lourde en France, excusez-moi, en Europe, après la Ruhr allemande. Donc il y avait des dizaines d'énormes usines, alors souvent polluantes, mais qui aussi employaient des milliers, voire des dizaines de milliers d'ouvriers. Et donc il y avait un vote qui allait avec, c'est-à-dire c'est là-dessus que s'était édifié ce qu'on appelait la ceinture rouge, c'est-à-dire la fameuse banlieue communiste de Paris, et qui était reliée à cette présence industrielle. Et puis avec les délocalisations, la concurrence internationale, les contraintes environnementales, eh bien, petit à petit, et assez rapidement en fait, cette zone industrielle importante a été mise à l'arrêt. Et donc on s'est trouvé avec un énorme foncier et on s'est dit que dans une économie mondialisée, une agglomération à vocation mondiale comme l'Île-de-France et comme Paris se devait d'avoir son équipement sportif et culturel de première importance, et c'est là qu'on l'a implanté. Et donc vous voyez comment tout ça a changé, donc changé la sociologie, changé les paysages, changé les référentiels, hein, puisqu'il y a bien évidemment les imaginaires qui sont associés, l'imaginaire du laminoir d'Agondange, c'est pas celui du Big Bang Schtroumpf, tout ça a bien évidemment fait changer et modifier beaucoup de repères. Je voudrais aborder maintenant un deuxième grand chapitre qui est en partie lié, mais qu'en partie seulement, et que nous avons appelé la démoyennisation. Alors le terme peut paraître un peu technique, et comme dirait la Palice, la démoyennisation, c'est le contraire de la moyennisation. Alors la moyennisation fait référence à un livre d'un grand sociologue français qui s'appelle Henri Mandras, qui avait écrit un livre qui est sorti en 1988, qui s'appelle « La seconde révolution française », et qui relatait tout ce qui s'était passé en France depuis les 30 Glorieuses, en passant par les années 70 et le début des années 80. Donc il fait, ou alors nous plus exactement, nous faisons comme lui, donc on regarde dans le rétro et on raconte ce qui s'est passé. Donc l'idée qu'on défend, bien évidemment, c'est pas de dire que c'est les mutations et la métamorphose française s'est produite sur un pays qui aurait été resté complètement stable et confiné dans ses traditions. Cette France avait déjà énormément bougé durant les 30 Glorieuses et les années 70 et 80. Mais on a la faiblesse de penser que ce que nous vivons depuis les années 80 est d'une nature encore plus profonde. Et donc je reviens à Mandras. Mandras, au terme de son livre, résume et dit, bon, en fait, s'il fallait synthétiser tout ça, on pourrait parler de phénomènes très puissants de moyennisation de la société. C'est-à-dire que, en gros, on avait un gros noyau central et qui s'est renforcé durant les années 70, 80, avec l'arrimage à ce groupe des agriculteurs, des ouvriers, d'une partie des employés. Autour de quoi? Autour de dynamiques profondes qui sont l'exode rural, la population se concentre dans les villes. Je reviens à l'industrie, ce qu'on appelait le Fordisme. Vous vous souvenez, Henry Ford, patron, ils sont souvent pragmatiques, les Américains, patron des usines Ford, qui disait « si je veux que mes ouvriers achètent mes bagnoles, il faut que je les paye correctement ». Donc il y avait le Fordisme, c'est-à-dire un niveau de rémunération qui était relativement conséquent pour faire tourner la machine économique. La grande distribution dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui a homogénéisé les modes de vie. Et donc Mandras dit « voilà, la société française s'est moyennisée » et il a une formule et une image qui restait célèbre. Il dit « s'il fallait schématiser la société française, on pourrait la dessiner sous la forme d'une toupie, avec un sommet très effilé, qui serait l'élite, une base très réduite, qui serait les catégories, la population les plus modestes, les plus pauvres, et puis un énorme ventre, enfin un gros ventre rebondi, dans lequel cohabite ce que lui appelait la constellation centrale, donc les classes moyennes, et puis la constellation populaire. Donc c'était deux mondes, mais qui s'étaient rapprochés, et qui cohabitait dans le ventre de la toupie de Mandras. Nous, le constat qu'on fait au terme de notre travail, c'est que depuis le milieu ou la fin des années 80, pour toute une série de raisons et par toute une série de processus, nous sommes embarqués dans le phénomène inverse qui est celui de démoyennisation. Alors non pas que la classe moyenne ait disparu, on a un modèle de protection sociale qui est parmi les plus développés au monde. Nous avons un niveau de richesse qui n'a cessé d'augmenter. On a 5 millions de fonctionnaires en France, donc on a
des groupes qui sont très stables et qui constituent l'ossature de cette classe moyenne. Mais cette classe moyenne, un peu comme une pâte qu'on étirerait, une pâte à tarte, elle est tiraillée vers le haut, vers le bas et vers le côté. Et c'est ce qu'on a appelé, nous, la démoyennisation. La démoyennisation, elle se fait d'abord, enfin, on peut commencer par le haut. Et nous avons, pour traiter tout cela, pris le parti avec mon co-auteur, Jean-Laurent Casselli, non pas de s'embarquer dans des calculs sur les déciles de revenus, etc., etc., parce que, un, ça nous barbait un petit peu, et deux, on pense que ça barbe encore un peu plus le lecteur. Et donc on s'est dit, on va attaquer ça, on va documenter ça, en s'intéressant à la consommation, au mode de vie. Puisque, de toute façon, on a vu précédemment que c'était ça, aujourd'hui, qui était quand même structurant dans la société française. Alors, comment on peut illustrer ce phénomène de démoyennisation par le haut? Si on utilise des termes marketing, ça correspond aux démarches qu'on appelle de premiumisation ou de montée en gamme. C'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de services, de commerces, de pratiques qui étaient non pas destinées à tout le monde, mais destinées à une bonne partie de la classe moyenne. Et on décide, alors qui décide, ceux qui les commercialisent, eh bien de monter en gamme pour faire monter le prix du ticket ou le prix du panier. Alors on peut prendre l'exemple de la grande distribution avec une enseigne comme Monoprix. Monoprix, aujourd'hui, est spécialisé sur la clientèle aisée des centres-villes. Monoprix, ça n'a pas toujours été ça dans son histoire, ils ont fusionné avec Prise Unique. Donc je parle aux très nombreux non-jeunes de la salle. Vous vous souvenez ce que c'était Prise Unique? Ce n'était pas exactement le Monoprix gourmet, quoi, hein. Donc ils sont montés en gamme, très fortement. On peut prendre un autre exemple. Alors, il est dans le livre, mais ça tombe bien que nous soyons ce soir à Chamonix. On s'est intéressé à ce qui se passait dans les stations de sport d'hiver. Là aussi, on voit comment cet univers est en train de se segmenter de manière très très claire. Alors attention, hein, pas de discours, comment dire, un peu nostalgique. L'ensemble de la société française n'est jamais parti au sport d'hiver. Mais à la fin des années 70, au début des années 80, on a 20, 25, 30% de la population qui peut se payer les sports d'hiver. Tout ça a été magnifiquement retracé dans un film. On parle d'identité nationale, donc on parle des souvenirs qui parlent à tout le monde, Les Bronzés font du ski. Donc ça sort en 79, Les Bronzés font du ski. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que Les Bronzés font du ski s'est tourné à Val d'Isère. Bon. Et donc, comme vous êtes des montagnards, donc je pense que vous connaissez Val d'Isère. Je pense que si Popeye ou Gigi retournaient aujourd'hui à Val d'Isère, ils ne retrouveraient pas la crêpe au sucre, etc. Tout ça, c'est terminé. Et on est où à Val d'Isère? Eh bien, on est une station d'altitude. Et réchauffement climatique aidant, on a une segmentation de ce marché qui s'opère avec les stations où il y aura tout le temps de la neige, ou encore un peu plus longtemps que les autres, qui se spécialisent dans l'accueil de la clientèle la plus haut de gamme, française ou souvent étrangère. Et donc l'auberge à la crêpe au sucre a été remplacée par le spa resort altitude, etc., etc., les chefs étoilés qui se sont installés. Et donc on monte en gamme. Et puis il y a les stations de plus basse montagne qui, elles, vont spécialiser dans l'accueil d'un public un peu moins fortuné. Et c'est d'ailleurs intéressant de regarder un certain nombre de facteurs qui sont convergents en termes d'évolution. Par exemple, dans le cas de la vallée de la Tarentaise, on a pris 4 ou 5 communes qui se suivent, alors pas au kilomètre près, hein, dans cette vallée, entre le bas et le haut. Et donc vous pouvez corréler l'altitude, un, avec le prix du mètre carré, un bon graphique, et puis deux, accessoirement, on avait dit qu'on ne parlait pas de politique, mais un tout petit peu, avec le vote, hein, parce que le vote pour François Fillon au premier tour de la présidentielle est intimement corrélé dans ces vallées à l'altitude et donc au prix du mètre carré. Donc Fillon doit faire à peu près 50% au premier tour à Val d'Isère quand il fait péniblement 22% en entrée de vallée. Donc c'est d'autres. Donc ça se segmente aussi dans ce secteur de la montagne. Voilà pour un peu le haut de l'édifice. Alors, il faut respecter la parité. On a parlé de la montagne, on peut parler du bord de mer aussi. Vous avez aussi des phénomènes de segmentation qui s'opèrent dans tout l'écosystème
qui était voué à accueillir la classe moyenne ou une partie des classes populaires dans les campings. Vous savez d'ailleurs qu'on ne parle plus de camping aujourd'hui. Hein. C'est, le vrai terme, c'est maintenant, c'est hôtellerie de plein air. Donc tout est dit. Donc là aussi, nous montons en gamme. Mais ce n'est pas simplement un changement marketing ou de terme. Ça s'accompagne physiquement par des changements qui sont très nets. Aujourd'hui, vous avez un tiers des places, des emplacements de camping qui sont dédiés au mobil-home. Et donc, comme on dit dans le langage marketing, l'expérience client n'a rien à voir si vous passez un séjour en mobil-home par rapport au souvenir que vous avez pu avoir de la caravane de tonton et la tente de mamie. Là, on est passé à autre chose. Bon, ce faisant, le ticket d'entrée, c'est plus le même. Souvent qu'on a la bonne idée quand même de mettre une piscine, des jeux, etc. etc. Alors, tout ça, il n'y a pas malice. Hein, c'est aussi une demande du consommateur d'avoir une qualité de service, une qualité de confort qui soit plus importante. Mais ce faisant, si je caricature, ces hôtelleries de plein air, elles se focalisent aujourd'hui sur fonction cadre moyen ou cadre qui, il y a 25 ou 30 ans, allait au Club Med. Mais le Club Med ayant été primomisé, ils n'ont plus leur place au Club Med, c'est trop cher. Donc ils se rabattent sur le camping, mais il ne faut pas que le camping soit trop cheap. Et donc on a le mobil-home, etc. Et puis, donc en bout de chaîne, vous avez le public qui est plus, voilà, dire, on va caricaturer plus gilet jaune, bah, qui lui, du coup, ne peut plus aller dans l'hôtellerie de plein air, où s'il peut y aller, il peut y aller une semaine, mais pas 15 jours. Et puis s'il habite à Chamonix, qui doit aller, enfin Chamonix, il reste là, les gens, je pense qu'ils sont bien, mais qui doit aller en Bretagne ou je ne sais pas quoi, il dit, moi, on ne va pas faire 600 bornes pour une semaine. Et donc, vous voyez que les choses se segmentent. Donc ça, c'est le haut de l'édifice. Vous avez un mouvement qui est encore plus puissant dans le bas, c'est le désarrimage de toute une partie de la classe, du bas de la classe moyenne et des catégories populaires. Alors attention, quand je dis désarrimage, on n'est pas dans le discours « la société française est en voie de paupérisation ». Il y a bien évidemment des publics qui sont très très modestes. Comme toujours, quand la crise du Covid est arrivée, ces publics sont ceux qui ont été les moins bien couverts par les systèmes d'aide sociale et autres, hein, parce qu'ils étaient intérimaires, ils avaient des jobs précaires, etc. Et donc, cette réalité existe. Mais la réalité profonde du pays, ce n'est pas celle d'une paupérisation. C'est plutôt celle d'une élévation permanente du seuil d'accès à la classe moyenne. C'est-à-dire, comme on est dans une société de la consommation, pour que la machine tourne, il faut sans cesse de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. Sauf que vous avez toute une partie des jobs que j'ai décrits tout à l'heure, chauffeur routier, aide-soignante, cariste, hôtesse de caisse, etc., etc. On n'est plus chez Ford, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revalorisation salariale régulière. Et donc, il y a toute une partie de cette population qui n'arrive plus à suivre la cadence. Et donc, c'est ça le désarrimage du bas de la classe moyenne. Ce désarrimage, on peut le documenter de deux manières. D'une part, en regardant comment les grands acteurs économiques y ont répondu. Ils sont très pragmatiques. Ils s'adaptent à la réalité du marché. Et ils ont très vite diagnostiqué qu'il y avait une clientèle qui n'arrivait plus à suivre. Et donc, qu'à cela ne tienne, on a développé des offres qui leur étaient dédiées spécifiquement. C'est ce que nous avons appelé la mise en place d'un marché secondaire. Comme vous savez, nous avons en matière routière un réseau premium et puis un réseau secondaire, un réseau principal et un réseau secondaire. Mais là, l'économie, c'est pareil. Il y a toute une économie secondaire qui s'est mise en place. C'est très clair dans la grande consommation, dans la grande distribution dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est l'arrivée du discount, avec Lidl, Aldi, etc. Petit clin d'œil dont l'histoire a le secret. Je vous ai parlé tout à l'heure du livre d'Henri Mandras, La Seconde Révolution française, qui diagnostiquait la moyennisation de la société française. Quand le bouquin de Mandras sort, on est en 88. 88, c'est l'année où ouvre le premier magasin hard discount de France. C'est un Aldi. Et il ne s'installe pas ni à Chamonix, ni à Val d'Isère, il s'installe en Moselle. CQFD, nous revenons sur notre désindustrialisation. Donc on a ce discount qui s'installe pour répondre à ceux qui n'ont plus les moyens d'aller faire leurs courses chez Carrefour, Leclerc ou Intermarché. Aujourd'hui, Lidl et Aldi sont en train de monter en gamme, un peu comme mes campings, mais qu'à cela ne tienne, la main invisible du marché est là. Vous avez d'autres opérateurs sur du super discount qui sont en train de récupérer la place laissée vacante par les autres. On peut prendre un autre exemple de marché
pour illustrer la mise en place de cette offre secondaire, c'est le marché de l'automobile. Et donc, l'exemple le plus emblématique de notre point de vue, c'est ce qui s'est passé autour de la marque Dacia. Hein, vous vous souvenez, c'est une marque roumaine, rachetée par la régie Renault il y a longtemps maintenant. Et les stratèges aux losanges, là, se demandent qu'est-ce qu'on va faire de ce truc. Et on va fabriquer des voitures, un modèle assez robuste, sans option. Il visait 5000 euros, bon, finalement, c'était 7500. Et qui va servir de fer de lance à notre conquête des marchés émergents. Pays de l'Est, Russie, Turquie. Donc ça marche plutôt bien. Et en 2005, il y a un petit génie qui se dit, et si on testait la Dacia, alors la Dacia à l'époque, c'est la Logan, le premier modèle, si on testait la Logan en France. Donc il y a quand même des grincements de dents chez Renault en disant quand même, la bagnole en France, c'est assez statutaire, nous on a une marque, on va cannibaliser nos marges, etc. On décide de faire le test. Alors ils ne testent pas en Moselle à côté du LD. Ils vont à Dunkerque, donc là aussi, on ne choisit pas les endroits au hasard, chez un concessionnaire, et les Logan se vendent comme des petits pains. Et donc, de fil en aiguille, on décide de dupliquer l'expérience, et on en mêle partout. Il y a une vraie attente du public. Au début, les gens qui optent pour cette voiture sortent du marché de l'occasion, en disant, bah, pour quasiment le même prix, je peux avoir du neuf. Et puis après, il y a même des gens qui vont... switcher du marché du neuf vers ce type d'offre. Et donc Renault élargit la gamme, comme on fait en marketing, et donc on avait la Logan, on a ensuite la Sandero, et le clou du spectacle, on a ensuite le Duster, hein, donc on pourrait appeler ça le SUV du gilet jaune, c'est-à-dire vous ne pouvez pas acheter un SUV, vous achetez un Duster. Alors attention, bien évidemment, il y a une partie de la population qui achète Dacia, parce que... ici à Chamonix, si elle a sa résidence secondaire, elle a une belle voiture à Paris, elle n'a pas besoin d'en mettre une belle ici, ou elle n'a pas les moyens. Donc il y a un peu toutes les catégories qui peuvent acheter. Mais massivement, c'est cette classe moyenne qui est en voie de décrochage, qui achète ce type de véhicule. La morale de l'histoire, c'est qu'on a aujourd'hui 1 million de véhicules Dacia qui ont été vendus en France depuis 2005. Et quand en 2020, Dacia a fêté son 15e anniversaire en France, ils ont fait une communication à la télé. Et le slogan retenu, le slogan publicitaire, c'était « Depuis 15 ans, nous vous rendons le plaisir du neuf accessible ». Donc là, vous êtes dans la quintessence de la définition du marché de l'offre secondaire, c'est-à-dire vous pouvez acheter du neuf, mais qui va être calibré pour votre niveau de revenu. Ce décrochage du bas de la classe moyenne, donc, comme je vous l'ai dit, on peut le voir ou le diagnostiquer à l'échelle ou à l'aune de ce que certains acteurs économiques ont mis en place. Et puis, on peut aussi le ressentir, le diagnostiquer, quand on regarde, quand on analyse et on observe le comportement de ces consommateurs eux-mêmes. Et c'est ce qu'on a appelé, nous, la mise en place de réflexes, de comportements, d'attitudes, qu'on a rangés dans un concept qui s'appelle l'économie de la débrouille. C'est-à-dire, vu que mon budget est sous arbitrage, je vais faire flèche de tout bois pour essayer de faire rentrer le plus de choses dans les cases. Alors dans la débrouille, il peut y avoir un peu de black, mais il y a également bien d'autres choses, la chasse aux promotions, le recours, je vous ai dit, au hard discount. On voit également que c'est à la fin des années 80, début des années 90, qu'on introduit le crédit revolving, comme on dit en beau français, hein, donc, qui est massivement utilisé en France. Vous avez aussi... en 2002, la création du statut d'auto-entrepreneur. Donc depuis 2002, très régulièrement, les représentants de différents gouvernements, comme ça, je les mets tous, non, comme ça, il n'y a pas de parti pris, mais c'est une réalité, se félicitent régulièrement du score très important d'auto-entrepreneurs qui existe en France, en disant, c'est quand même l'illustration du génie entrepreneurial français. Ce qui est en partie vrai pour toute une partie de ces gens, qui se réalisent, qui prennent des risques et qui constituent, qui vont au bout de leurs rêves ou de leurs projets en adoptant ce statut qui est relativement confortable et qui est plus souple que la montée d'une entreprise classique. Sauf que quand vous regardez le niveau de rémunération moyen de ces auto-entrepreneurs, on appelle ça maintenant micro-entrepreneurs, on est en dessous du SMIC. Donc ce n'est pas les Bill Gates. Hein. On est sur des gens qui sont pour l'essentiel sur un job d'appoint pour compléter un temps partiel, une retraite trop faible
ou même tout simplement créer un job que le marché n'a pas pu leur donner, que eux n'ont pas pu trouver sur le marché. Dernier élément, dernier ingrédient dans cette économie de la débrouille, on peut le documenter par exemple avec l'évolution du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. La Française des Jeux, en 2000, fait 6 milliards de chiffres. On est à 17 milliards l'année dernière. Donc il y a le génie des marketeurs de la Française des Jeux, mais il y a aussi une très forte demande sociale. Et quand vous regardez tous les jeux de gratte-gratte, millionnaire, etc., l'inénarrable morpion, tout ça, ça commence au tournant fin des années 80, début des années 90. Française des Jeux, 30 000 points de vente, 11 000 communes couvertes. Et donc ça fait partie aussi, comme la zone commerciale de notre paysage de la France d'après. Et donc on a toute une partie de cette France en voie de déclassement qui va jouer très régulièrement à des petites sommes, non pas dans l'espoir de s'acheter la villa à Ibiza, mais de mettre du beurre dans les épinards et d'arriver à boucler les fins de mois. Parce que si on prend un peu de recul, et là je renvoie à un livre, mon livre précédent qui s'appelait L'archipel français, on avait essayé de raconter comment deux grandes matrices auxquelles beaucoup de Français avaient adhéré pendant très longtemps s'étaient effondrées au cours des 40 dernières années. La matrice catholique, on est passé de 35% de Français qui allaient à la messe tous les dimanches en 1960 à 4-5% aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, hein, c'est les grandes études de sciences politiques, là c'est un film culte que tous les étudiants doivent avoir vu, c'est donc Camillo et Pépone. De l'autre côté, il y avait l'Église rouge. Et donc on rappelle aux très nombreux jeunes de la salle qu'on était sur un vote pour le PC qui était au minimum à 20% à chaque élection jusqu'à la fin des années 70. Là aussi ça s'est effondré. Dernières élections européennes, quand le PC s'est présenté sans l'ombrelle mélenchoniste, ils ont fait 2,5% des voix. Et il y a un parti qui lui était concurrent, qui s'appelle le parti animaliste, vous vous souvenez peut-être des affiches avec un beau chat et un beau chien sur l'affiche, qui fait 2,4% des voix. Donc je referme la parenthèse, juste pour dire qu'on est dans une société qui massivement a arrêté de croire en Dieu et au paradis, et qui croit plus non plus au grand soir et à la révolution. Et donc du coup, qu'est-ce qui reste? Eh bien, le bonheur, c'est ici et maintenant. Et c'est ce que je peux m'offrir et ce que je peux payer à mes gosses. Et pour parodier les grands auteurs français, vous vous souvenez de la formule cultissime de M. Séguéla, qui disait « S'il y a 50 ans, tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. » Pour dire « S'il y a 30 ans, tu n'es pas capitaine des chasseurs alpins, tu as raté ta vie. » Donc, tu as raté ta vie. Bon, eh bien, sur la France des Gilets jaunes sur les ronds-points, on ne dit pas ça, on dit « S'il y a 40 ans, tu ne peux pas payer des Nike et des Nutella à tes mômes, t'es un cassos. » Et rappelez-vous que quelques mois avant le déclenchement de la crise des Gilets jaunes, nous avions assisté à ce que certains journalistes un peu sarcastiques avaient appelé les émeutes du Nutella, quand Intermarché, encore eux, ils ne s'étaient pas trompés, avaient lancé une gigantesque promo sur le pot de 850 grammes, la référence, de Nutella, qui était à moins 70%. Bon. On était le 20 du mois, et le 20 du mois, toute une partie de cette France n'a plus les moyens d'acheter de la marque à ses enfants. Ce n'est pas les émeutes de la faim, c'est on ne peut plus acheter de la marque. Et donc, ça avait viré en pugilat dans les rayons, et on voit là le poids iconique de certains nombres de marques et le poids de cette consommation. Et donc, sur ce décrochage du bas de la classe moyenne, encore une fois, ce n'est pas une forme de paupérisation, c'est une forme de décrochage et de déclassement qui est très durement ressentie. Parce que si on voulait utiliser une image, Mandras avait pris la toupie, nous on prendra le Tour de France, qui passe souvent par chez vous, pour dire la société française, c'est le peloton du Tour. Avec une règle, il en faut une, c'est que chaque année, la vitesse moyenne du Tour va être augmentée d'un ou deux kilomètres heure. Je pense que c'est comme dans vos pelotons, vos cordées. Au début, ça ne se voit pas. Mais au bout de 10-15 ans, vous avez un peloton qui est scindé en deux. Entre la première main, les premiers de cordée, qui, dopés ou non, arrivent à s'accrocher à la nouvelle cadence. Et puis, le reste du peloton, qui n'a pas démérité, qui, objectivement, pédale peut-être même un peu plus vite qu'il y a 10 ans, mais qui voit inexorablement le reste du peloton s'éloigner.
Et il en ressent un sentiment de déclassement, de colère, de frustration qui est immense. Et c'est, à mon avis, gros, ce qui a servi de terreau, ce qui a constitué le terreau de la crise des Gilets jaunes. Donc on voit que ces questions de consommation sont centrales. Là, on rentre en campagne électorale, on parle de pouvoir d'achat. C'est à la fois remplir le frigo, mais c'est aussi afficher ou se rassurer sur sa place dans la société. Si je peux encore me payer ça, si je fréquente telle ou telle enseigne plutôt que telle autre, alors ça veut dire que je suis à la grande table. Si je suis obligé d'aller dans le marché secondaire, ça veut dire que je suis en voie de déclassement, alors même que je travaille et que ma femme travaille, ce qui est absolument insupportable. Donc vous voyez un peu les conséquences très profondes que tout ça peut avoir. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais terminer très rapidement par quelques exemples sur un troisième évolution très profonde de notre point de vue. Donc après le changement de modèle économique, la démoyennisation, le troisième chapitre ou la troisième thématique que je voudrais aborder pour finir, avant de répondre à vos questions si vous en avez, c'est un autre phénomène qui s'est déployé, s'est accéléré très fortement au cours des dernières décennies, c'est l'ouverture de la société française à des influences culturelles étrangères. Ça a toujours existé, mais on a passé la surmultiplier. Je vous ai parlé tout à l'heure de Disney, et donc au premier rang de ces influences, il y a l'influence américaine qui est aujourd'hui massive, tellement massive qu'on ne s'en rend plus forcément compte, et elle a été quasiment ingérée dans tous les tissus et dans tous les pores de la société française. Et donc elle fait partie de nous-mêmes. Je vous ai dit, trois quarts des 18-35 ans sont allés au moins une fois chez Disney en France. On a publié récemment une étude qu'on a appelée Génération McDo pour interroger cette même génération sur son rapport à McDo. Je ne sais pas si on a un Chamonix, je pense que oui. Ouais. Donc il y a 1500 ou 1600 McDo en France. Quand vous interrogez les 18-35 ans, 50% d'entre eux y vont au moins une fois par mois. 20% y vont plusieurs fois par mois. La France, c'est le deuxième marché mondial pour McDo après les États-Unis. Donc vous voyez, donc c'est rentré complètement dans nos habitudes. Alors, ils ont montré un peu patte blanche parce que José Bové leur avait démonté un restaurant il y a 20 ans maintenant. Et donc ils ont compris que pour pénétrer parfaitement le marché français, il fallait reprendre un certain nombre de codes. Et donc il y a une forme d'hybridation. C'est-à-dire que chez McDo, en France, 40% des repas sont pris à table, ce qui est un score qui n'est jamais observé ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'on prend son burger, on va le manger dehors. Donc on est en France, nous on mange à table quand même. Mais on mange un burger chez McDo. Donc voilà pour... je vous ai parlé de Disney, de McDo. On pourrait prendre aussi ce qui se passe dans l'univers du cinéma. Si vous prenez tous les films qui font plus d'un million d'entrées en France, depuis 1986, hein, donc vous voyez toujours ces dates à peu près, les années 80-90, depuis 1986, ils sont majoritairement américains ou anglo-saxons. Dans mon livre précédent, on s'était intéressé aussi aux prénoms qui étaient donnés aux enfants. Vous voyez que dans ces années-là, 90, on a 13% des garçons qui reçoivent des prénoms américains, anglo-saxons. Alors, vous le connaissez, je l'ai entendu déjà. Le number one, c'est Kevin. Kevin qui a été prénom masculin le plus donné en France 7 années de suite. 1989-1996, on a 160 000 Kevin au compteur en France. Donc vous ajoutez Jason, Dylan, Brian, etc. etc. Donc tout ça irrigue toute la société française. Le modèle américain a ça de très performant, c'est qu'il a su proposer à chaque île de l'archipel français un imaginaire, une vision dans lequel cette île pouvait se retrouver. La France des grands centres urbains, qui va chez Monop, c'est la Startup Nation, c'est le Starbucks Coffee, c'est la Silicon Valley, c'est la côte Est ou la côte Ouest. La France des banlieues a le rap, je caricature bien évidemment. La France des gilets jaunes, on a la danse country, on a le Buffalo Grill, on a les clips de Johnny qui magnifient la virée sur la Route 66. Et donc chaque île de l'archipel français a son rêve américain. Ça vaut aussi pour tous les corps de métier. D'habitude, je le fais sur les militaires, mais alors je ne vais pas m'avancer ce soir. Si vous prenez des journalistes, si vous prenez chaque corps de métier aujourd'hui, comme on dit en bon français, le benchmark de référence est l'homologue américain. Si vous prenez les journalistes, ils veulent tous faire le Watergate. Si vous prenez, alors je ne vais pas parler des militaires, je parlais des policiers, ils courent tous, ils font leur jogging avec un t-shirt NYPD. Les camionneurs français, ils rêvent que des trucks américains.
et du haut en bas de la société française, c'est comme ça. Dans son dernier livre, l'ancien ministre Arnaud Montebourg raconte un déplacement gouvernemental à Washington, à la Maison-Blanche. Il explique que donc le président de l'époque, François Hollande, est reçu par Barack Obama dans le fameux bureau ovale qu'on a tous vu dans les séries. Et puis eux, ils sont que ministres ou secrétaires d'État. Ils attendent dans le vestibule. Alors, c'est comme la Maison-Blanche, hein, le vestibule, c'est assez grand. Et donc, ils racontent la scène. Ils sont tous émoustillés comme des enfants. Ils chamaillent, ils se prennent en photo, ils font des selfies, ils donnent un coup de coude. Et puis, à la phrase de chute qui tombe, il dit comme si l'aboutissement de toute carrière politique française, c'était un jour d'accomplir le pèlerinage à la Maison-Blanche. Donc vous voyez que de haut en bas de la société française, on a cet imaginaire américain qui nous a complètement, j'allais dire, non pas colonisé, mais dont l'influence s'est considérablement renforcée. Et ça fait partie aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, 1600 McDonald's, ça fait partie de nos paysages, ça fait partie de nos vies. Mais le processus ne s'est pas arrêté là. Il y a beaucoup d'autres influences culturelles étrangères qui se sont déposées, qui se sont mélangées avec, j'allais dire, le fond de sauce tricolore. Il y en a une qui est plus récente, qui est l'influence japonaise. Alors elle a utilisé, ou elle a transité par les mêmes canaux, c'est-à-dire l'alimentation avec les sushis, un sushi bar à Chamonix, en tout cas à Cluse ou Salange, c'est sûr. Les dessins animés et toujours dans l'univers de l'image, les mangas par exemple. Les mangas, vous savez que la France est le deuxième marché mondial après le Japon pour les mangas. Il y a à Grenoble, les éditions Glénat, une grande maison de BD, Flairé le Filon, sont très fortement développés sur les mangas. Ils en ont écoulé 10 millions l'année dernière. 10 millions. Gouvernement français, à la suite du premier confinement, s'est porté au chevet de notre jeunesse lycéenne, en disant, voilà, ça a été dur pour eux. Donc on va voter le pass culture, hein, pour qu'ils s'aèrent la tête, ils aillent au cinéma, au concert, ils s'achètent des bouquins, ils allaient à la bibliothèque, ils achètent des DVD. Bon, parmi ceux qui sont allés en librairie, 72% du budget est passé dans les mangas. Et donc, on parlait avec des libraires, ils appellent ça le pass manga. Donc on a cette influence japonaise, plus de 50 ans, ça leur passe au-dessus de la tête, mais qui est très fortement développée. Moi, je n'ai pas encore 50 ans, donc je suis déjà un peu de côté là, mais on me dit aussi que maintenant, c'est le next step, comme on dit en français, c'est la culture coréenne, voilà, donc du Sud, hein, qui se développe. Vous avez en région parisienne le parc des expos de Villepinte. Le parc des expos de Villepinte accueille chaque année une manifestation qui s'appelle le Japan Expo, qui est un salon, comme son nom l'indique, qui fait la promotion de la civilisation, de la culture japonaise. Donc les mangas, les jeux vidéo, l'alimentation, les arts martiaux, les paysages, l'architecture, etc. Le Japan Expo, c'est le troisième salon le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Donc vous voyez comment toutes ces couches se mélange. On pourrait ajouter une troisième couche qu'on a appelée, nous, la couche orientale, qui, elle, là, est du coup directement liée, contrairement à la couche américaine et asiatique, à la présence d'une immigration importante en France. Et donc, là aussi, on a une manifestation très concrète dans nos paysages, avec la multiplication des kebabs, les bars à chicha, la gamme halal, etc. Donc, tout ça s'hybride. Et se mélange dans la société française. Alors, il y a deux processus qui ne sont pas contradictoires. Soit on empile les couches, une espèce de millefeuille plus ou moins roboratif, soit on a des processus d'hybridation. Et comme il va bientôt être l'heure d'aller manger, on va finir par un truc qui donne de l'énergie aux chasseurs alpins. On peut prendre l'exemple typique ou le plus manifeste de cette hybridation, c'est le French tacos. Vous voyez, vous connaissez sans doute. Donc, comme son nom l'indique, c'est un produit Tex-Mex à la base et qui a été revisité dans une banlieue grenobloise par des jeunes issus de l'immigration maghrébine. Donc, ils l'ont revisité à la sauce maghrébine. Comme on était quand même à Grenoble, on a rajouté la sauce fromagère. Et donc, vous avez le French tacos, donc une bombe calorique là. Contrairement au kebab, il a été franchisé. Et francisé, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne qui s'appelle Otacos,
qui compte 400 points de vente, qui reprend les codes de McDo. Et, ironie de l'histoire, Otakos est aujourd'hui en train de se déployer à l'international. Et donc la France, patrie de la gastronomie, a aujourd'hui à sa carte de référence le French Tacos, qui fait partie donc maintenant de la liste des possibles et qui est une illustration assez emblématique des transformations que la société française a connues au cours des 40 dernières années. Donc, sur ces notes gastronomiques, je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. D'habitude, c'est les sondeurs qui posent des questions, mais si vous en avez, je suis à votre disposition. En tout cas, encore merci de votre présence et de votre attention. Oui, madame. Alors, c'est une question de militaire, en fait. Vous savez, c'est voir derrière la colline. Nous, on est plutôt historiens, on raconte une fois que la bataille a eu lieu, donc c'est très compliqué d'essayer de faire la prospective. Ce qu'on constate néanmoins, vous voyez que ce que j'essaie de dresser, c'est qu'on a quand même des évolutions de fond, et donc il n'y aura pas forcément de retour arrière. Et donc sans doute que cette forme d'hybridation, de mélange, de poursuite de l'ouverture va continuer. Ensuite, on va néanmoins se heurter à un certain nombre de limites ou de butées. Vous êtes dans une vallée où on sait ce que veut dire le réchauffement climatique. Et donc la poursuite de cette société de consommation, de nouveaux biens, nouveaux besoins, à un moment va quand même sans doute connaître un coup d'arrêt. Je mentionnerai juste par exemple, alors ça va être très difficile à organiser, puisque il y a quelques mois, la ministre du Logement avait expliqué que le modèle de la maison individuelle avec jardin, c'est un modèle qui, économiquement, socialement et environnementalement, était une impasse. Et donc, on peut relier ça à la crise des Gilets jaunes en disant la crise des Gilets jaunes, c'est aussi la crise de l'étalement urbain. C'est des gens qui, pour avoir jardin, barbecue, maison, vont s'installer de plus en plus loin des grands centres urbains et sont de plus en plus dépendants du carburant et de la voiture. Et donc, au bout d'un moment, ça finit par frotter. Et donc là-dessus, on peut tout à fait entendre ce que dit la ministre. Là où le bât blesse, c'est quand on interroge les Français. Même, alors, 55% vivent en maison individuelle. Et au total, quand on les interroge en termes de souhaits, 75% aspirent à la maison individuelle avec jardin, cette tendance ayant été encore renforcée par le Covid. Et donc là, à un moment, ça va frotter. Et là aussi, il y a des images rétiniennes. La ministre parle de maison avec jardin. Ça, c'est la fin des années 70, le début des années 80. Parce qu'aujourd'hui, dans le PAC, il faut rajouter la piscine. Ce que nous avons appelé dans notre livre le modèle Plaza majoritaire, en hommage à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Il y a 3 millions de piscines individuelles en France. Deuxième pays au monde après les États-Unis. Et donc comment on arrive à faire tenir tout ça? Donc il y aura fatalement un moment, fatalement des limites. Mais les grandes pistes qu'on a essayé de dresser, je pense que voilà, vous pouvez essayer d'imaginer comment on peut les poursuivre. Par rapport au déclassement, ce changement, pour nous, armée, on a connu l'armée de conscription, l'armée d'engagés. Pour notre jeunesse, il y a également une évolution du sens, de la recherche du sens. Qu'est-ce qu'on observe comme évolution de cette recherche du sens, de l'engagement? Alors, je vous ai dit, on est une société qui est de plus en plus individualiste, consumériste. Et donc les valeurs qui sont incarnées, qui sont portées par vos institutions, forcent le respect de tout le monde, mais ne sont plus forcément complètement en phase avec le reste de la société. J'ai eu moins souvent que vous l'occasion de réfléchir à ça, mais
Quand Arnaud Beltrame est rentré dans le Super U, on y revient, bon, c'est un héros, mais c'est presque même plus compréhensible intellectuellement par beaucoup de nos concitoyens, puisque nous n'avons plus vécu de situation de conflit majeur depuis plusieurs générations maintenant, et que, encore une fois, toute la société est organisée ou tend vers l'hédonisme, la consommation, le tourisme, les loisirs et l'épanouissement personnel. Alors, ça a des attraits et des avantages majeurs, hein, c'est-à-dire vaut mieux une société qui est là-dedans, mais à un moment, on bute là aussi sur la question du sens. Alors, on n'a pas traité ça directement dans le livre, mais on a un dernier chapitre dont je n'ai pas pu parler ce soir encore, qui s'interroge, de la même manière qu'on a vu l'évolution des paysages, sur l'évolution de ce qu'on appelait le paysage spirituel. Et donc on a rappelé tout à l'heure, donc il y avait l'effondrement de la vieille matrice catholique, mais cet effondrement a laissé la place à un grand vide, parce que c'est pas parce que les gens ont arrêté d'aller à l'église qu'ils ont arrêté d'être en quête de sens. Quand on interroge les Français là-dessus, alors de manière assez basique, comme les sondeurs peuvent le faire, les questions de sens et autres, il faut que ça rentre dans mes cases. On demande aux gens, est-ce que les questions de la vie après la mort, le sens de la vie, etc., etc., est-ce que ces choses-là, ça vous taraude un peu, beaucoup, pas du tout? On a 50% de la population à qui ça fait ni chaud ni froid. C'est beaucoup. Mais on a 50% qui se posent des questions, dont 20% qui s'en posent beaucoup. Et alors, pour répondre, j'allais dire, à cette demande, ou à ce marché, je vais mettre 36 guillemets, eh bien, on a soit on a deux types d'offres qui peuvent y répondre. On a une offre qui va être très structurée, qui peut être, par exemple, on en parle dans ce livre, ce qui se passe autour des courants des églises évangéliques. C'est-à-dire que vous entrez dans une communauté, etc., etc. Vous avez également l'islam. Vous avez aussi certaines démarches, bien évidemment, dans le catholicisme. Et puis, sinon, on a un autre type d'offre qui correspond assez bien à l'époque. On parlait de McDo tout à l'heure, vous connaissez le slogan « Venez comme vous êtes ». Là aussi, une espèce de mix spirituel où on est sur quelque chose de très plastique. Donc dedans, on range le développement personnel, le bouddhisme, la pratique du yoga. Alors, c'est aussi une activité sportive. Vous avez 20% de la population française qui fait du yoga. Les coachs, donc on a une explosion des coachs en France. Vous avez des courants ésotériques aussi. On a un retour en hype, comme on dit, de la figure de la sorcière. Il existe des nouvelles pratiques. Un film avec Cécile de France sur le chamanisme qui fait plus d'un million d'entrées. Et donc on a toute cette espèce d'un grand bricolage spirituel aussi, qui essaie de répondre à la quête de sens, au sens philosophico-religieux, qui se manifeste dans une partie de la population. Et donc des institutions comme les vôtres doivent aussi essayer de faire avec et de naviguer dans ce paysage assez déroutant. J'avais une question, puisque vous avez abordé le fait que nous étions, en cette période de JO, on est médaille d'argent en McDo, en manga, en beaucoup références étrangères. Pardon. Alors qu'est-ce qui expliquerait qu'en France, en fait, on soit particulièrement réceptif à toutes ces influences d'autres pays, etc. Est-ce qu'on en accueille plus particulièrement Alors, ça existe partout, mais effectivement, on a un terreau qui manifestement est assez fortement propice. Alors je n'aurais pas forcément d'explication à vous donner, mais nous, ce qui nous a le plus frappé, c'est comment tout ça cohabitait, s'hybridait et s'organisait. Encore une fois, si vous prenez une approche paysagère, vous avez dans la même petite ville le sushi bar à côté d'un kebab, à côté d'un resto traditionnel. Bon, tout ça cohabite. Dans un espèce de grand mixte qui est cette France d'après qui, oui, manifestement, peut-être plus que d'autres encore, s'est ouverte à ses influences. Alors après, les raisons profondes de tout ça, je ne saurais pas vous dire.
En tout cas, c'est ce qu'on constate effectivement. Aussi parce que, encore une fois, hein, vous voyez, les mangas, il y a des acteurs économiques très puissants. Glénat, ils ont su, à mon avis, adapter le truc en partie à la France. Je vous parlais de McDonald's, qui a des formats, des formules de repas ou autres qui sont aussi, qui ont tenu compte aussi des spécificités nationales. Et donc en hybridant ou en modifiant un peu le modèle de base, on lui a donné une capacité d'acclimatation dans la société française qui était assez stupéfiant. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour la société française de lutter contre le soft power américain que vous avez décrit? Ou est-ce que c'est une bataille qui est perdue d'avance? Est-ce qu'il y a trop de retard qui a été pris dans cette lutte? Alors déjà, vous voyez, on parle de soft power. On a déjà, on reprend déjà les termes de l'ennemi si on se met dans une dynamique comme ça. Non, ce qu'on a essayé de montrer, c'est comment tout ça était très profondément pénétré ou instillé. Et encore une fois, attention, il n'y a pas de vision machiavélique. On n'a pas mis un pistolet sur la tempe de quiconque pour aller chez Disney ou chez McDo ou regarder Netflix. La population, en tout cas celle qui adhère à ça, y trouve parfaitement son compte. Quand je vous ai parlé des films de cinéma tout à l'heure, l'influence américaine, elle remonte à loin maintenant. Il y a eu là aussi plusieurs strates, plusieurs périodes. Il y a une période assez dynamique déjà à la libération, avec l'arrivée des GIs, on se souvenait les images d'Épinal avec les chewing-gums et les tablettes de chocolat. Et puis ensuite, il y a le plan Marshall, hein, où face au bloc communiste, le gouvernement américain dit qu'il faut qu'on reconstruise l'Europe. Et donc on va aider puissamment tous ces pays à se reconstruire. Mais alors, les Américains, bon, ils sont quand même malins, disent on va conditionner ces aides à des quotas de films sur les écrans français, quotas de films américains. Donc c'est les accords entre le ministre de l'époque qui s'appelait Bloom et l'américain qui s'appelle Burns. Et donc il y a une bataille très forte. À l'époque, le monde de la culture et du cinéma est dominé par les intellectuels et les compagnons de route du Parti communiste. Et donc on est au début de la guerre froide et eux se battent en disant hors de question que les Américains, que les Yankees est table ouverte dans nos cinémas. Et donc, et en fait, c'est beaucoup passé par ce cinéma. Alors depuis, vous voyez, cette composante de la société française qui s'était très fortement mobilisée contre l'influence américaine, hein, le poète Louis Aragon, qui est compagnon d'hôte du PC, il appelait ça la civilisation du frigidaire, en disant, ils ont développé tout un bazar là, pour qu'ils aient des glaçons qu'on puisse mettre dans leur Coca-Cola. Donc nous, ce n'est pas le modèle qu'on veut pour la société française. Bon. Quand vous regardez rétrospectivement, bah, on sait qui est-ce qui a gagné la bataille, en fait. Hein. Et de manière un peu grinçante, on s'amusait dans le livre à aller regarder l'adresse d'un certain nombre de restos McDo dans d'anciennes ou toujours actuelles mairies communistes de banlieue. Donc vous avez un McDo rue Maurice Thorez, boulevard Leningrad, etc. etc. Donc voilà. On voit comment la partie a été un peu perdue. Blague à part, je pense que c'est des questions qui vous parleront. Vous voyez que dans la guerre moderne, on a besoin d'électronique, d'informatique, etc., etc. Tous les softs, tous les logiciels sont américains. C'est-à-dire qu'ils ont défini les normes, ils ont défini toute une série de choses. Et donc, je pense que oui, la bataille est en partie perdue. Alors après, tiens, chacun, si on estime que c'est pas bien, de pas forcément fréquenter le KFC du coin. Mais il faut bien avoir conscience que le degré d'imprégnation à tous les étages de la société française est quand même très puissant. Hein, je fais juste une petite incise politique, mais non partisane. Vous voyez comment en France, on a introduit progressivement le modèle ou le système des primaires. Les primaires, c'est un truc américain. On a un système électoral à deux tours. Donc normalement, le premier tour doit servir déjà d'écrémage ou d'élimination. Mais on a ajouté la primaire. Quand Nicolas Sarkozy était président de
de l'UMP, tout d'un coup, on rebaptisé ce parti en Les Républicains. Bon, Les Républicains, vous voyez à quoi ça réfère. Donc, on a tous nos imaginaires qui sont très fortement influencés par ça. Et donc, aller à l'encontre, je pense que c'est un peu illusoire. Après, encore une fois, il incombe à chacun de faire ça, ce qui lui semble juste et bien pour en matière culturelle. Merci. Vous avez les décennies que vous avez reprises dedans, alors que c'est aussi les décennies de la construction européenne. Vous ne l'avez pas du tout évoqué, donc effectivement, est-ce que c'est invisible dans tous les travaux que vous avez menés? Est-ce que voilà, ça a amené en sous-main d'autres choses ou pas? Alors, merci pour votre question. Alors, on s'est beaucoup concentré sur les modes de vie, la consommation, et donc la dimension européenne était moins centrale dans notre approche, mais effectivement, l'approfondissement de la construction européenne, le fait que le droit européen se développe de manière très importante, qui est aussi des transferts financiers tout à fait significatifs. Bon, bah, le passage à l'euro, tout ça, bien évidemment, est une donnée majeure dans l'évolution de notre société dans cette période-là, effectivement. Je dirais merci pour cette dernière question qui est positive, alors que votre propos, je le trouve terriblement dans son ensemble négatif. Alors qu'il y a des points forts de la société qui se développent de façon très très positive, dont celui de la construction européenne, auquel vous ne faites pas du tout allusion. Or, il y a des valeurs fortes dans notre pays qui continuent à se développer et qui attirent beaucoup d'immigrés, en particulier de touristes, et qui montrent bien que c'est une société qui se développe positivement, contrairement à l'analyse que vous en faites. Voilà quel est mon sentiment. Bon, écoute, mais merci pour votre témoignage. Je suis désolé si j'ai donné l'image d'une évolution qui serait trop sombre. Ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de. On ne parlait pas de paupérisation. On parlait d'une élévation tout à fait spectaculaire de du confort de vie, de la qualité de vie. Après, on peut débattre sur le sens plus profond de ces évolutions. Que la France attire beaucoup de touristes, ça va dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire que le tourisme est devenu un moteur économique de première importance. Moi, j'ai la faiblesse de penser que à troquer le tourisme, l'industrie contre le tourisme, on a quand même perdu au change. Et donc l'idée, c'est pas de revenir en arrière, là encore, ce ne sera pas possible, mais d'être conscient que un certain nombre des choix, encore une fois, conscients ou inconscients, qui ont été faits, nous ont amenés dans une situation qui est quand même assez compliquée. Je devance peut-être sur une question qui pourrait advenir, qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans les autres pays? On a des phénomènes qui sont ce que j'ai décrit là, ce n'est pas spécifiquement français. Mais vous voyez, par exemple, sur la question de la désindustrialisation, on a été beaucoup plus touché que tous les autres. Alors on se compare toujours aux Allemands, là c'est même pas la peine de débattre, la messe est dite. Mais moi je me souviens dans les années 80-90, on ricanait quand on parlait des Britanniques, en disant qu'ils ont bazardé tout ce qui restait de leur industrie automobile, etc. Ils ont tout misé sur la City. Bon, aujourd'hui vous prenez les statistiques, ils ont un poids de l'industrie dans leur PIB qui est plus important que le nôtre. Pas très loin d'ici, en Italie, notamment en Italie du Nord, l'industrie pèse plus lourd dans le PIB italien que dans le PIB français. Idem en Espagne. Et donc là, on a touché du doigt, collectivement, je pense, cette ampleur de la désindustrialisation à l'occasion de la crise Covid, quand de manière assez stupéfaite, les Français ont pris conscience qu'il n'y avait plus un gramme de paracétamol
qui était fabriquée chez nous. La dernière usine avait fermé pas très loin de chez vous, en Isère, à Roussillon. Et donc voilà, donc moi j'insiste sur ces points-là, effectivement, c'est question de sensibilité de point de vue, il y a des choses qui vont très bien, j'ai parlé niveau de confort, j'ai parlé du développement de toute cette économie résidentielle et touristique. Si on a 3 millions de piscines en France, c'est que bon, il y a quand même des gens qui se débrouillent pas trop mal. Après, sur les grands indicateurs macroéconomiques, on est quand même assez fragilisé. Je pense notamment au déficit public, qui est complètement lié au déficit de la balance commerciale. C'est-à-dire que comme on est dans une société de la consommation, eh bien pour que la machine tourne, il faut consommer. Mais sauf qu'on ne produit plus rien. Et donc on s'endette depuis 40 ou 50 ans. Et tout cet essor aussi de l'économie de la logistique, eh bien si elle a prospéré, cette logistique, c'est aussi parce qu'il fallait acheminer les marchandises produites de l'étranger pour venir chez nous. Alors, j'ai bien conscience du côté... parfois un peu dérangeant de mon propos, et notamment dans un territoire comme le vôtre, qui est un territoire un peu béni des dieux. C'est-à-dire que la Haute-Savoie, il reste, je l'ai vu encore ce soir, hein, vous regardez les quatre voies, c'est pas les enseignes de grandes distries ou la logistique, c'est des boîtes de décolletage qui se suivent les unes après les autres, là, à côté de Cluses. Et donc, il y a encore tout ce tissu-là qui est très fort. Vous avez une économie touristique qui est très florissante. Vous avez les frontaliers qui ramène un PIB, un pouvoir d'achat très important. Moi, j'ai discuté avec des gens de la Chambre de commerce de Haute-Savoie qui nous disent, nous, on a un problème, c'est qu'on accueille 10 000 nouveaux habitants par an. Et donc, regardez la maquette tout à l'heure, en relief d'un certain nombre de coins de chez vous, on ne peut pas construire partout chez vous. Mais il faut bien avoir conscience que toute la France n'est pas à l'image de la Haute-Savoie, ni même de la Savoie, hein, qui est quand même bien en dessous de la Haute-Savoie. Mais donc voilà. Donc y a des territoires qui sont très prospères, qui vont très bien, mais on a beaucoup de territoires. Hein, je disais, que reste-t-il quand l'usine a fermé? Alors, comme toujours, quand vous écrivez un bouquin, au bout d'un moment, l'éditeur va dire, bon, tu vas te calmer parce que c'est trop gros, on n'arrivera pas à le vendre. Et donc, la mort dans l'âme, on a été obligé de couper une page qui était consacrée à la fermeture des casernes. De la même manière que les usines ont fermé, dans plein d'endroits, les casernes ont fermé. Et donc, on a repris, c'est mon côté un peu fanamili, toutes les fermetures d'usines, de casernes dans l'est de la France. On avait appelé ça le démantèlement de la seconde ligne Maginot. Et donc, dans pas mal d'endroits, bah, quand ces casernes ont fermé, Bar-le-Duc, Lunéville, Verdun, etc., c'est pas la Haute-Savoie. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais des touristes anglais, russes, qui viendront dépenser du pouvoir d'achat dans ces coins-là. Donc il faut être aussi conscient, mais je suis très content d'être parmi vous ce soir, et j'envie vraiment votre qualité de vie en Haute-Savoie. Je me suis laissé dire que le prix du mètre carré sur le versant ensoleillé était proche de celui des arrondissements parisiens, donc vous voyez que vous êtes quand même dans ce que nous on appelait dans le livre la France triple A, la France qui est désirable, mais il y a aussi toute une France, comme on dit en bon français, backstage, France de l'ombre, alors pas forcément celle qui est du côté du mauvais versant, parce que même le mauvais versant, il est plutôt sympa chez vous, mais plutôt les fonds de vallée. Et voyez aussi comment les choses se sont retournées. Il y a 50 ans, dans une famille au Savoyard, 60 ans, il valait mieux hériter en plaine qu'en altitude. Aujourd'hui, les représentations sont inversées, parce que les prix du mètre carré sont plus les mêmes. Allez, une dernière question, et puis après... Alors j'ai trouvé ça assez remarquable de jamais aborder les raisons, de rester dans votre ligne, de décrire ce qui se passe et de donner votre vision, et qui est très très riche. Je vais quand même essayer d'aller chercher ce que je pense que vous y pensez, et que ce sera peut-être l'objet de votre prochain livre, ou c'est peut-être dans le livre que je n'ai pas lu. En l'occurrence, est-ce que si on remet à l'échelle universelle de la planète, est-ce qu'on ne serait pas dans une évolution vers un métissage qui est un peu inexorable, ou justement, est-ce que ce ne serait pas une des causes, une perte de patriotisme, ou de... On perd les particularités, et il faut faire avec, parce que voilà, on se retrouve dans ce qu'on peut dire le métissage, c'est-à-dire le même homme partout sur la planète. Aujourd'hui, moi qui voyage, j'entends souvent et je vois qu'on dit « Ah, c'est dommage, les Inuits, ils perdent leur particularité. Ils devraient rester comme ils sont. » Puis quand on va là-bas, ils nous disent « Ah non, mais nous, on veut être comme vous. »
Alors, c'est-à-dire que chez nous, on les défend à fond pour qu'ils restent comme ils sont, et eux, ils font tout pour devenir comme nous. Et ainsi de suite, on peut parler des Bhoutanais, hein, c'est exactement ça au Bhoutan. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez aborder un petit peu les raisons ou si vous allez rester dans votre ligne. Non, je ne sais pas. Alors, sur les raisons, en fait, je parlais de l'histoire de l'humanité, donc là, ça dépasse très largement mes compétences, puisqu'on essayait de. Ce que j'essaie de partager avec vous, c'est l'accélération, bon, c'est un peu des tartes à la crème, hein, mais de la mondialisation et de la globalisation. Donc, j'ai bien moins voyagé que vous, mais je pense qu'apparemment, voilà, on le ressent jusqu'au Bhoutan ou chez les Inuits. Et donc, il y a ce mouvement de globalisation, d'hybridation qui s'opère, effectivement, mais pas forcément à la même vitesse partout. Et je vous parlais du Japon tout à l'heure, enfin, de la culture japonaise, je n'ai jamais mis les pieds au Japon, mais il me semble que, voilà, y a des pays qui parviennent à conserver une certaine forme d'authenticité, d'identité, même si le sens de l'histoire est plutôt dans à la grande lessiveuse, c'est clair. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais si même on peut faire l'expérience en France, je suis plus hexagonal, on essaie de montrer dans le livre comment on a encore quelques survivances de culture régionale, et comment les cultures régionales s'hybrident également. Et donc on fait référence notamment à un très beau texte d'un grand historien français qui s'appelait Lucien Febvre, donc c'est l'école des annales, et donc il s'intéressait à beaucoup de choses aux annales, et il disait en fait, le français, comme peut-être le Bhoutanais, il est prêt à manger plein de nouveaux trucs, des nouveaux légumes, des nouveaux animaux, mais il va les cuisiner de la même manière qu'il cuisine tout le temps. Et donc, si on veut connaître les cultures régionales en France, il faut regarder ce qu'on met au fond de la gamelle. Qu'est-ce qu'on met comme graisse de cuisson? Et donc, il avait lancé ses enquêteurs, on est dans les années 30, donc l'article paraîtra que dans les années 60, partout en France. Et donc, ils avaient fait la carte des cadastres lipidiques de la France, la carte des graisses. Et donc vous voyez qu'il y a quand même des progrès en France, parce que à l'époque, ce qui régnait en maître absolu, c'était le Saint-Doux, donc ça a été viré. Donc, dans toute une partie de la France rurale, dans le nord, en Bretagne, en Normandie, on avait la France du beurre, et puis sur le littoral méditerranéen, une partie de la vallée du Rhône, on avait l'huile d'olive. Et donc, nous, à l'IFOP, on a, en hommage à Lucien Febvre, on a reposé la question à un échantillon de 10 000 personnes, en disant, qu'est-ce que vous mettez au fond de la gamelle? Alors, Dieu merci, le Saint-Doux a disparu, les médecins peuvent être assurés, quasiment partout. Vous voyez que le beurre fait un peu de résistance, et on a, sacrilège, l'huile d'olive qui a franchi le nord de la Loire. Alors comment ça s'explique? Par justement le métissage des influences culturelles, la mode pour la cuisine méditerranée, etc., etc. Mais ce n'est pas toujours le sud qui gagne. On sort il n'y a pas longtemps de période d'épiphanie. On sait qu'il y a une grande bataille en France entre la frangipane et le gâteau des rois, là, entre le nord et le sud. Donc la frangipane vient plutôt du nord. Et vous voyez que, elle, pour le coup, la frangipane est descendue. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique aussi par les mouvements de population très importants au sein même de la population française. Ce qu'on a appelé le grand déménagement dans notre livre, en montrant comment, en l'espace d'une cinquantaine d'années, dans la plupart des départements français, les personnes qui décèdent ne sont pas nées dans le département dans lequel elles sont décédées. Et donc tout ça, c'est des gros brassages. Hein, quand on dit que la Haute-Savoie gagne 10 000 habitants par an. Je ne pense pas qu'il y ait des records de familles à 3-4 enfants. Il y en a. Mais c'est plus qu'il y a un apport de populations qui viennent d'autres régions de France. Et tout ça contribue à l'échelle nationale. Vous voyez déjà à complètement brasser les choses. Regardez aussi l'essor pour les microbrasseries. Il y en a 2000 microbrasseries en France. Et même dans le Bordelais, maintenant, il y a des microbrasseries. Vous l'en avez aussi dans le Médoc, enfin oui, Bordelais ou dans le sud de la France. Donc tout ça s'hybride. Et donc, à petite échelle, vous avez en modèle réduit ce qui, à mon avis, se passe de manière beaucoup plus puissante au niveau mondial. Un dernier exemple, puis j'arrêterai. Vous parlez de Netflix tout à l'heure, c'est pas qu'américain. Si vous regardez Netflix, vous avez des séries du monde entier, alors qui reprennent plus ou moins les codes américains. Mais tout ça, donc on est dans une accélération du grand brassage et de la grande lessiveuse. Et donc tout ça fait la France d'après et fait qu'on exporte un produit qui s'appelle le French Tacos. Voilà.
Merci beaucoup pour cette conférence, M. Fourquet. Merci d'être déplacé depuis Paris, même si vous allez bien profiter de votre week-end chez Moniard, sur les affaires. Je redis ce que je disais à l'introduction. Donc pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir relancer un peu des conférences au sein de l'école sur des sujets dont on parle, dont on débat, du café, du commerce, etc. Mais c'est pas mal de l'avoir étayé par des gens qui se sont posés la question rien que par l'analyse des chiffres. Donc je laisse à tout à chacun le plaisir d'approfondir les affaires pour se faire, au-delà de son analyse, au-delà de l'analyse, sa synthèse et puis ses réflexions sur ce qui est derrière. Moi là je vais parler en tant que chef militaire, ce qui nous concerne tous, mais d'ailleurs en tant que tout citoyen, c'est un peu la cohésion nationale qui est derrière, qui traîne derrière, quel est le changement, quelle mutation, c'est ce qui est poussé derrière. Voilà, il y avait un type qui s'appelait Fernand Braudel, je crois, qui écrivait des belles choses et qui nous plaçait, nous en tout cas, l'institution militaire, comme un des socles de cette cohésion nationale. Donc on a tous une responsabilité là-dedans, c'est bien d'écouter, c'est quand on se pense quel est notre sens de l'action, ben, on a une responsabilité à travers toutes ces mutations qu'on a vues. Alors quid demain, j'en sais rien. Ici on est quand même nombreux à avoir voyagé pour le métier, de différentes manières, comme le rappelait le capitaine Jourdain, de différentes manières, en voyant des choses simples, des choses moins belles aussi je dirais, des crises certainement plus lourdes que celles qu'on traverse aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est très bien d'avoir étoffé notre réflexion sur le sujet. Donc, merci beaucoup d'être venu encore. Et donc, on s'est arrangé parce que dans cette cohésion des territoires, parce que j'estime que l'école a un rôle dans cette cohésion des territoires, c'est pour ça que qu'on a ouvert un maximum cette conférence, c'est bien la librairie locale. Qui amène les livres pour ceux qui voudraient avoir une dédicace de M. Fourquet. Mais ça, c'était un bon sens. C'est pas l'homme qui vient de Paris avec ses livres. C'est la librairie locale qui met à disposition s'il y en a. Et voilà. Et par contre, l'écrivain, le signataire, il viendra de Paris. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Et voilà comment je souhaite conclure cette conférence. Et vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et puis des discussions pour